Bonjour à tous les filles. Comme sujet, je vous propose Ambre. Vous vérifiez que c'est bien elle qui se présente. Oui, c'est bien elle, les filles. Enfin. Et donc, comment elle est? Bah, tu sais, on avait commencé à lui dire de travailler et elle est bien en train de travailler. Ok, parfait. Est-ce qu'elle a quelque chose à vous montrer de particulier? En fait, elle a une sorte d'incompréhension de... Est-ce qu'elle peut vous montrer d'où vient cette incompréhension? En fait, elle se met elle-même des barrières. Ok. Donc, elle a... Ok. Il faut que ça... Bah, tu sais, elle apprend à l'école, il faut que ce soit comme ça, il faut faire ça, il faut faire comme ça. Et puis, ça lui a mis quand même des barrières, quoi. Ok. Ouais, c'est un peu le but de l'école. Hein. C'est tout à fait. C'est terrible, mais bon. Alors, est-ce que là, elle a bien intégré sa partie divine et sa partie matricielle dans son corps? Est-ce qu'elle a les deux? Ok. Est-ce que vous pouvez lui envoyer vous-même avec vos parties divines respectives? Hein, on imagine que voilà, elle est avec nous dans l'octaèdre. Eh ben, vous lui envoyez l'information qu'avec sa partie divine, elle va se couper de tous les liens scolaires. Tout ce qu'on lui balance à l'école, elle se coupe des liens. Elle purge. C'est pas que scolaire en fait. Bah déjà scolaire. Ouais. On va déjà faire Mais tout moi, le j'en scolaire. Vois d'autres des liens, donc tu vois. Ok, on va déjà faire le scolaire. On va s'occuper du scolaire. Elle prend tout ce qu'on lui propose à l'école depuis sa scolarisation de toute petite fille. Elle prend tout ce qu'on lui a amené, tout ce qu'on lui a dit d'apprendre, tout ce qu'on lui a dit d'engranger. Elle prend tout ça, tout ça. Et c'est comme si elle ouvrait un énorme robinet, là, à fond. Et elle fait une grande purge de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait plus rien. Hein. Vous lui dites bien. Non, non, mais... Hein, ça ne veut pas dire qu'elle ne sait plus rien. C'est, voilà. Et, mais elle purge tout ça. Elle purge tout ça, elle dénonce tout ça, elle prend tout ça en charge et elle intègre que la connaissance est innée en elle. Vous lui envoyez ça comme info. Elle intègre que la connaissance est innée en elle. C'est sa divinité qui lui montre qu'elle sait. Et puis, je vais te dire un truc, elle sait. Et puis, elle sait prendre en charge les autres. Elle sait faire plein de trucs, en fait, cette fille. Mmh. Oui, forcément. Donc, elle fait tout ça. OK. Alors, vous me dites si au niveau du scolaire, c'est purgé. Si c'est OK. Vous me dites quand c'est OK. Ouais, là, je pense que c'est bon. Okay. Maintenant, vous me montrez que vous apparaissent... Bah, les liens, les contrats ou tout ça qui l'encombrent, qui ne sont pas scolaires, qui sont d'ailleurs, on ne sait pas d'où, les montres. Ben moi, je vois aussi que, tu vois, en fait, elle essaye de prendre en charge plein de gens. Et puis, en fait, ben, ça lui pose un problème parce que les gens, ils ne voient pas pourquoi. Enfin, tu vois, elle a l'impression de... Est-ce qu'elle fait ça dans le physique avec genre des copains, des copines? Elle fait ça tout le temps. Ok. Elle Donc, fait ça tout le temps. Et puis en fait, les gens. Alors. Les gens, ils la comprennent pas, quoi. Tu vois? Ouais. Est-ce que, pareil, avec votre divinité, en vous associant à elle, vous pouvez lui montrer qu'en faisant ça, c'est comme si elle avait ouvert des tonnes de portes? Qui était ouverte, que même certaines, elles ne se rappellent même plus qu'elle les a ouvertes, et qu'en fait, ça lui prend son énergie, ça lui prend sa joie, ça lui prend son... Ouais, bah c'est ça, c'est, voilà, elle, c'est tout à fait ça. Voilà, elle conscientise tout ça, elle conscientise tout ça, ouais. Et elle intègre que charité bien ordonnée commence par soi-même. Elle intègre ça, mais vraiment...
Sa partie divine lui montre ça. Elle ferme, elle coupe tous ses liens. Elle purge à nouveau tous ces trucs qu'elle fait depuis toute petite avec Pierre-Paul Jacques, la petite fille d'à côté là qui n'était pas bien, la plus grande. Voilà, tout ça, elle se coupe de tout ça, elle ferme toutes les portes. Et elle ramène, elle se ramène à elle-même. Elle se retourne vers elle-même parce qu'elle doit intégrer avec sa partie divine, lui montre ça, que là, elle doit prendre le temps pour elle. Le temps nécessaire pour elle. Ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Vous lui envoyez cette information. Là, c'est elle. Elle a ses données de l'extérieur. Elle coupe les liens avec maman aussi. Qui lui balance cette info au passage. Hein? Elle coupe. Là, c'est elle. Elle a besoin de ça pour se construire. Elle a besoin de ça, justement, pour ensuite pouvoir dispatcher ce qu'elle sait naturellement. Vous lui envoyez cette info, vous accompagnez sa divinité avec la vôtre respective. Et vous me dites quand c'est OK. Ouais, elle était vraiment trop dispersée en fait, et puis elle se recentre là, tu vois. Puis en fait, elle comprend, tu sais, t'as même pas besoin de lui montrer, elle sait faire. Oui, bah oui, elle est intacte. Okay. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui la chagrine? Bah, je crois que c'était le grand point. Ok. Est-ce qu'on peut clôturer du coup? Véro, tu vois autre chose? Non, parce que j'ai trouvé que c'était très juste. Hein. C'est pour ça que je t'ai laissé dire, en fait, parce que je suis quand même très connectée. Ouais, voilà. Non, mais moi, je trouve qu'elle est bien, là. Donc, voilà. Ok. Ok. Est-ce qu'elle peut nous montrer les activités pour lesquelles... Enfin, qui la branche, en vrai? Parce que finalement, tout est correct en vrai, globalement. Oui. Mais qu'est-ce qui la branche? Qu'est-ce qu'elle a envie d'explorer? Est-ce que sa divinité peut lui montrer ça? Moi, je la vois avec de l'art et du bois. Est-ce que tu as des précisions? Non, c'est pas sculpté, en fait, c'est découper le bois dans une forme spéciale, le peindre, tu vois. Je la vois avec du bois et voilà. Ok. Est-ce que ça, elle peut le faire toute seule dans son coin ou est-ce qu'elle a besoin d'aller vers une formation qui l'amène vers ça? Moi, je la vois quand même dans une espèce d'école, dans une formation. Ouais. Aussi. Ok, est-ce que ça peut-tu pas la menuiserie, l'ébénisterie C'est pas ça. C'est pas ça, ok. Non. C'est de l'art. Une école d'art? Ouais, il y a toutes sortes de matières, mais elle, c'est le bois qui l'intéresse, quoi. Mais je la vois aussi avec des genres de pâtes, du plâtre, des machins, trucs comme ça à l'école. Mais elle, c'est le bois qui l'intéresse. Ok. C'est marrant, là, ce qui vient, tu vas me dire comment ça résonne chez toi, Carrie. Mm-hmm. Et moi, je vois de l'encadrement. Comme si c'était elle qui était la prof. Non, de l'encadrement de ou de toiles ou de photos. Des cadres. Oui, des cadres. Des cadres. Mm-hmm. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. C'est comme si, en fait, regarde. C'était pour mettre en valeur d'autres choses. Moi, je, en fait, je la vois avec plusieurs personnes. Et en fait, elles ont une espèce de galerie, tu vois. Alors, il y a plein de trucs dedans. Il y a plein de trucs. Mais c'est que de l'art. C'est comme un groupement d'artistes que tu ouais, vois.
Tu sais qu'ils se réunissent à Voilà. plusieurs techniques. Il y a celui qui présente. Ok. C'est ça. Ok. Alors, après, les cadres, je sais pas, moi, j'en sais rien. Je vois que, de toute façon, l'art, en général, c'est vraiment son truc. Ok, donc... Puis, en fait, je la vois sculptée depuis le début, moi. Tu sais, une espèce de lune. Tu sais, en bois. Et puis, je sais pas, tu sais, ça se tourne, là. Il y a des machins en haut, en bas, ça se tourne. L'école boule. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, ce que tu me racontes. C'est une école où ils font des... Enfin, j'ai déjà vu des choses venant de l'école boule et c'est justement, ce sont des œuvres fabriquées en bois, en fait. Il y a des trucs, il y a des gens qui font des trucs extrêmement beaux. Ben voilà, écoute, enfin, je sais pas si c'est cette école-là, parce que moi, je connais pas ça du tout. Mais elle, le bois, c'est vraiment... son truc quoi, et vraiment je vois le truc, tu sais, elle est hyper fière d'elle, elle a construit en 3D là, tu sais, ça tourne, ça, tu vois, elle est hyper fière d'elle, et puis ça, c'est super beau. Ok, alors là vous allez lui demander avec sa partie divine de prendre en charge son mental qui lui dit que faut qu'elle fasse des études, je sais pas moi, générales ou je ne sais quoi, enfin toutes les idées qu'elle a sur la scolarité jusqu'à présent, qu'elle Oui. prenne en charge son mental pour aller vers ce que son cœur lui dit vraiment et pas suivre les indications de son mental, justement. Vous lui envoyez cette info-là et qu'elle le prévent, qu'elle prenne en charge et qu'elle poursuive dans ces prises en charge-là régulièrement. Ouais, tu vois, c'est Pour... ça. Elle sait faire, mais il y a du boulot. Est-ce qu'il y a autre chose à préciser? Mais non, mais moi je vois, tu sais, son cœur il s'ouvre quand elle est dans cette école d'art là. Enfin, vraiment, ça lui fait un bien fou. Hein. Alors peut-être aller creuser, visiter des endroits qui. Peut-être à Paris, il existe un certain nombre d'établissements, je ne sais pas. C'est sûrement à creuser. Ah oui. Ouais. De toute façon, j'avais déjà le pressentiment de tout ça depuis longtemps. Hein. Ah oui. Et boule a déjà été évoqué il y a un an. D'accord. Ok. Bah, peut-être à aller voir alors. Eh oui. Ouais. Mais ça lui ouvre le cœur, hein, parce que franchement, l'école, c'est pas son truc. Hein. Non. Ouais. Ok. Ah, c'est bien. Est-ce que c'est ok? Oui. Ok. Donc, on la remercie, cette jeune fille. Voilà. Elle prend bien soin de sa partie divine et de sa partie matricielle. Et on la laisse aller vaquer à ses occupations. OK?